Bonsoir. Oh.
Thank you.
Quelqu'un sait faire du feu.
papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Bon, mais des rails, c'est bon, mais là, on me prend.
papa. 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 Tu es là, papa? C'est toi, papa? C'est toi, mon petit papa? Mon petit papounet, papou à moi. C'est toi qui es là? Si c'est toi, tu es le plus grand des papas. Le papa, le papa, le plus grand des papas. C'est qui le plus grand des papas? Qui est au-dessus de tous les papas? Qui est le plus fort de tous les papas? Qui est au-dessus de tous vos papas? C'est lequel? Il n'y en a qu'un seul. Non, c'est le Père de Jésus. Et le Père de Jésus s'appelle comment? Satan? Avant, il s'appelait comment? Avant qu'il fasse des bêtises, il avait un autre nom. J'ai renversé entièrement ma bière. Et le Père de Jésus n'aurait pas aimé ça. Il a un prénom en quatre lettres. Je vais vous l'appeler. J'ai écrit une ode en son nom. C'est une ode à Dieu. Ah, Dieu, ah, Dieu. C'est rigolo, Dieu. Mais secrètement, vous avez tous aimé Dieu un jour ou l'autre. Quand vous étiez petit, comme le Père Noël. Moi, j'y ai cru à Dieu. Toi aussi. Moi, quand j'étais petit, j'ai cru à Dieu. Parce que ça me réconfortait, comme vous tous. Car vous n'étiez pas tout à fait conscient de la mort. Mais vous saviez qu'après, ça allait vous servir d'une façon ou d'une autre. De croire en un être supérieur. Qui à tout moment de la journée, à tout moment de la matinée, quand vous traversez la route, quand vous alliez à l'école, il y avait sa main divine qui était posée sur votre épaule droite, comme ça, et vous sentiez la chaleur de sa main paternelle, divine, céleste. Eh bien, c'était Dieu. Je suis ni pour ni contre Dieu, d'accord ? Et nous allons régler ce problème une bonne fois pour toutes, parce que vous êtes venus une petite douzaine ce soir. Réglons ce problème de Dieu une bonne fois pour toutes. Par où commencer? Bonne question. Eh bien, simplement, j'ai écrit une petite chanson en son honneur. C'est une chanson que j'ai sobrement intitulée Dieu, 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 Dieu. Attends. Attends. Vous êtes impatients tous les gens dans la vie. T'approcher jusqu'au pied de mon lit.
me racontant la vie après la mort. Je te croyais. Oui, Dieu, 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 Dieu. Depuis, les années ont passé et j'ai grandi vite. Il m'a fallu du temps pour me passer de toi. J'ai pris le soin de te trangler et de te voir mourir. Et tu t'es tué, et tu t'es tué. Dieu, Dieu, Dieu. Et je te dis, oh, j'ai envie de profiter de ce moment quoi. J'ai jamais fait une communion si grande. C'est énorme. Il y a quelque chose d'incroyablement séduisant dans la liturgie. Ces espèces de voix très douces, c'est les voix des anges, vous entendez ? Les petits anges avec leurs peaux toutes roses, on a envie de les embrasser sur la bouche. Petit ange tout rose, mon petit ange tout rose. Oh, well,
Merci beaucoup. Ah ouais, merci. Super. Ok, merci. On va boire des bières maintenant. Moi, je suis en tournée pendant 3 semaines. Et je ferai jamais comme les Américains. Et il n'y a absolument aucun vinyle à vendre. Aucun CD à vendre. Aucun t-shirt à vendre, ok? Ok, maintenant, il y a le guitariste des Beatles qui va jouer. Merci.